Maître André Michel, à Newton Saint-Just, tu as eu une journée chargée vendredi, avec des dossiers où tu es obligé à le traiter, il y a un bureau doyen tribunal première instance Port-au-Prince, l'autre là, dans le paquet tribunal là. Dans le bureau doyen, Raymond Jean-Michel, avocat a plaidé dans le cadre d'une action en habeas corpus pour demander à Maître Jean-Michel déclarer arrestation manifestant 17 octobre, plus par Ronnie Timothée et Biron Odigea illégal, et puis reconnaître qu'un bien moun sa yo nan prison pas correspond du tout à ça la loi ni constitution an di sou koze liberté moun. Après audience là qui pas duré longtemps, avocat militant yo déclaré yo gen confiance doyen pral prendre une décision pour libération client yo. Maître André Michel ak Maître Newton Saint-Just nan micro Audrey Lalane ak Jean-Joseph Nono. Nous te vini là pour nous te accompli deux tâches différentes. Première tâche là, gagner une action en habeas corpus que nous devons plaider devant doyen Raymond Jean-Michel pour nous joindre libération tout le monde qui a arrêté 17 octobre et également libération Ronnie Timothée Biron Odigé parce que détention est arbitraire, c'est des gens qui ont arrêté en dehors des normes constitutionnelles et la constitution fait du doyen le juge en matière de liberté individuelle, le garant de la liberté individuelle. Et nous avons dit à M. Raymond Jean-Michel que nous offrions une opportunité historique pour le montrer qu'ils sont grands doyens, pour le montrer qu'ils sont grands juges. Maintenant, le débat, c'est est-ce que les gagnants, et ça me décapabre la dimension historique qu'il faut pour saisir l'opportunité, ça, étant donné qu'il nous a dit qu'il va rendre sa décision incessamment, nous attendons. Mais nous sommes sûrs que nous avons bien plaidé et nous espérons que toutes les personnes en détention seront libérées le plus vite possible en fonction de la décision qui va être prise par le doyen. Nous t'es assisté comme spectateur ça a passé dans le bureau Raymond Jean-Michel. Parce que moi-même, depuis après la mort de Jean-Serge Joseph, moi dit comme avocat, je n'ai jamais plaidé devant le doyen Raymond Jean-Michel, je n'ai jamais plaidé devant la mère Bélisère. Donc, pour être cohérent, je n'ai pas assisté, je n'ai pas plaidé. Mais, le bagage important que nous disons à le doyen, nous remarquons dans le bureau là, dans deux portes, lit inscrit Somme 34, verset 2. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je seulement appelé doyen, même j'en l'écris tout n'importe qui à vive le sang du Christ. Eh bien, il a gagné une occasion historique pour lui faire tout chrétien dans le pays à reprendre confiance véritablement parce que qu'on prend Raymond Jean-Michel, qu'on prend la mère Bélisère, il dit, c'est pasteur, il a prêché l'évangile toute la nuit, toute la journée. Donc, je pensais que tout le monde est capable de faire un erreur, tout le monde est capable de faire un péché. L'Éternel toujours a une occasion pour reprendre nous. Et je pensais que liberté, Ronnie Timothée, bien redigé, et 18 autres prisonniers politiques qui ont été arrêtés pour 17 et 26 donc, eh bien, c'est pour aller en preuve que doyen Raymond Jean-Michel comme chrétien est reparti.